J'ai été ravie de voir à quel point il se sentait concernés, investis, sensibilisés et comment on pouvait éventuellement travailler ensemble, nous en tant que vecteurs modestes par rapport à la population, etc. Et en vue de la préparation de cette grande conférence et de cette grande rencontre. Je trouve la démarche et l'invitation très intéressante. Moi j'ai dit oui tout de suite parce que c'était important en tout cas de pouvoir, entre les différents acteurs météo, que ce soit les scientifiques, les professionnels de Météo France, notre gouvernement et puis nous présentateurs, chacun a son rôle, donc de pouvoir savoir où on se place et dans cette chaîne d'information, pouvoir véhiculer justement le bon message. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Après, il y a d'autres questions qui se posent, comment faire passer le message sur quel ton? Est-ce qu'il faut être anxiogène? Est-ce qu'il faut faire peur? J'ai beaucoup de mal. Je préfère avoir, et ça semble être aussi l'orientation de Monsieur le Ministre, d'avoir plutôt une communication positive en montrant qu'il y a des solutions et que ces solutions, en plus, économiquement, peuvent être une chance. Je pense aux mesures là, qui vont être prises sur la transition énergétique, qui a priori pourraient être créatrices d'emplois. Voilà, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on mette en avant.